Au début de la foi, il y a souvent un ébranlement ou une inquiétude. L'homme sent que le monde visible et le cours normal des choses ne constituent pas le tout de l'existence. Il se sent touché par un mystère. Il suit les traces qui le renvoient à l'existence de Dieu et trouve peu à peu la confiance pour s'adresser à lui, pour finalement entrer librement en relation avec lui. Dans l'évangile de Jean, on peut lire « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » Jean 1, 18. Voilà pourquoi nous devons croire en Jésus, le Fils de Dieu, si nous voulons savoir ce que Dieu veut nous communiquer. Croire signifie donc donner son accord à Jésus et miser toute sa vie sur lui. Nous n'avons pas beaucoup d'imagination quelquefois. Il nous est difficile de nous représenter Dieu le Père. Tout ce que nous pouvons faire, c'est voir Jésus à travers les Écritures saintes, par sa parole. Au repas de la scène, nous communions, nous rentrons en présence de Christ bien vivant, qui a pris corps sous la substance du pain et du vin. Et par cette communion, nous rentrons en communion avec le corps du Christ. Dieu se révèle alors à nous par son Fils. C'est pour cela, chaque fois qu'il nous est possible, allons au repas des noces, au banquet de la scène que le Seigneur a institué pour faire mémoire de lui qui s'est livré pour nous, a donné sa vie en sacrifice pour nous racheter de nos fautes et s'est fait nourriture. Cette nourriture que nous prenons et qui édifie notre âme, nourrit notre corps, nous remplit de la présence du Christ.